Ah ça c'est chiant, il y a des persos 1 gold là. Mais ça c'est pas normal ça je pense. Ça m'étonnerait que ce soit fait exprès. Ça fait trop chelou putain. Putain. Bon j'ai pas de baguette. Ok. Alors Graves il fait... Ah oui c'est vrai Graves il fait la grenade fumigène là. Ah c'est fait exprès? Ok d'accord. Ok pardon. C'est fait exprès, ils veulent moins de gold. D'accord ok. Ok pourquoi pas. La grenade fumigène. Si c'est fait exprès hein, ça me va. C'est une question d'habitude hein. De mecha, on va essayer. Ah, ça fait trop bizarre du coup. Oh, sinon, on fait une compo pirate spatiale. Sinon, le chat, le chaos est l'état de prédilection de la nature. Ah, mais ça fait chelou du coup. Ça, c'est OP pirate, les deux. Salpé dans la vie de son frère. Ah, c'est vrai, il a arrêté, monsieur Coco. Ah c'est dur ça. Déchirement familial du coup. Ah oui. Comment on sait quelle galaxie c'est? Parce que là c'est pas la galaxie Nico là mais... Avec moi, les comment on sait dans quelle galaxie on est? En vrai. C'est vrai ça? C'est une bonne question ça. Ah lui il est cyborg atomisateur, c'est bien ça. Attends. Tac. Atomiseur, c'est le nouveau. Toutes les attaques, les atomiseurs déclenchent l'attaque supplémentaire. Vaste attaque supplémentaire, plus de dégâts. Ok. Ça, c'est le nouveau Gunslinger, ça, du coup. Ça, c'est bien, ça. J'ai deux baguettes là. C'est vrai qu'il y a Blitzcrank aussi qu'il faut tester, putain. Il y a trop de trucs en vrai. J'ai une Ginzo. Trop de trucs à tester, c'est terrible. Ça change quoi la galaxie? Ah, c'est à la fin des CS qu'on sait? Non, je pense pas, hein. On le sait au carousel normalement. Bah oui, c'est sûr qu'on le sait au carousel. Alors. Chrononautes. C'est pourquoi j'ai des chrononautes? Tous les alliés gagnent de petites attaques toutes les 4 secondes. Ok. C'est chiant ça. Ok, on va rester comme ça. Il y a des parties normales sans galaxie spéciale apparemment. Ok. D'accord. Bah, j'imagine qu'en fait ils ont pas encore mis toutes les galaxies, j'imagine surtout quoi. Pour l'instant. Il y a quand même 2 semaines de test, hein, c'est beaucoup. Ok, l'ulti chain c'est le même que dans TFT1, mais la zone d'ulti a l'air plus grande quand même. Ah non, c'est pas. Attends, mais c'est mieux parce que là, la zone, il y a 20% de résistance magique en plus. C'est vraiment très fort en vrai. C'est très très fort, je trouve. Oh, sinon, on pourrait tester une game Irelia aussi, putain. J'ai envie de tout tester, c'est horrible. Il y a trop de trucs à tester. Alors Cyborg, ils prennent des PV en plus, c'est ça, ouais. Pourquoi ils n'avaient pas Cyborg? J'en avais 3 non, des Cyborg, non? Ah non, il est pas Cyborg, Shen, je suis con. Shen m'appelle ma partie. Ouais, il a l'air fort, Shen. Hein. Je pense que Shen... Oh putain, il Blitzcrank avec le nouveau Hook. J'avais oublié, putain. En vrai, il va falloir se reconcentrer dans les parties à cause de Blitzcrank quoi. Ou grâce, comme on veut. C'est tellement bien qu'il y ait Blitz quoi, c'est incroyable je trouve. Comment l'accès au PBE? Faut juste se télécharger. Tout simplement. Mais normalement c'est affiché là la galaxie, mais il n'y a pas de galaxie je pense là. J'adore. J'imagine. Attends, j'ai Xayah, qui est un maître lame. Je peux peut-être jouer maître lame en vrai.
Attends. Il y a le nouveau Ezreal aussi. Xayah, c'est quoi? C'est un carry aller? Ah, c'est fort ça en vrai. Ok. T'as le temps que je reconnaisse les persos? Ça ira après quoi. Elle est pas cyborg elle, hein, par contre. Et j'avoue que c'est fort avec Ginzo, je pense. Ok, il est dans front lane plutôt. Je pourrais rentrer être céleste avec. En vrai. Mais attends, mais ça combine trop bien Ginzo avec ce champion, c'est pas possible. Genre c'est abusé la combinaison de ouf. Par contre je me suis fait défoncer là. J'ai pas de gold la fuck. Je sais pas quoi jouer, y'a trop de trucs. Je me fais trop désarçonner. Y'a beaucoup trop de possibilités là. Faudra que je me fixe sur des compos très vite. Va falloir se fixer sur des compos. Et que les ADC, ou c'est moi? C'est toi. Effectivement c'est toi. Oh, oh. Attends mais c'est moi Maître Yi, il a un sabre laser. Attendez quoi? Attendez. J'ai une question. Pourquoi Maître Yi a un sabre laser? Et pourquoi c'est trop stylé surtout? Samouraï Yi. Oui c'est un skin je sais bien mais c'est une question rhétorique en vrai. C'est un rebelle. Oui c'est un rebelle Jedi. Putain incroyable quoi. Par contre c'est un... J'espère que c'est un maître lame quand même ce con. Ah oui c'est bon. Alors attends. On s'en fout de jouer Leona. Ça c'est bien ça. Ok. Et ça c'est bien aussi. Ok. Ok on est parti comme ça. Ça ça dégage, ça aussi, ça aussi. Bon du coup je joue pas pilote de méga, désolé. Je crois que ça va partir sur une game Irelia là je crois. Il est trop bien ce skin putain. Incroyable. Alors ce maître Yi il est comment par rapport à TFT1, TFT2? Donc là le maître Yi c'est pas le même que le... celui qu'on avait sur... c'est pas le même spell là j'ai l'impression. Celui-là il court beaucoup plus vite et tout mais il fait pas la zone de méditation quoi tu vois. Par contre ça a l'air super fort Xayah. Ça a l'air super fort avec Ginzo ce champion. Parce qu'en fait il a tellement d'attaque speed. Ça va trop vite en termes d'attaque speed en early. Xin peut être intéressant, peut-être. Je sais pas si on va jouer Être Céleste 4 en fait. Je me pose la question, ça va permettre d'entrer Lulu en vrai. Protecteur. C'est vrai qu'il rentre Être Céleste et Protecteur. Ce qui est mieux que... Ah mais comme Rakan en fait. Ok comme Rakan. Ce qui est pas mieux du coup. Ok Fiora. Nice. On est pas mal là, on est pas mal. Rakan. Rakan le rouge. Rakan le rouge. Ouais, on joue avec le vrai Patrick Balkany absolument. Il médite pas mais il régène de ouf quand même. Bah j'avoue qu'il régène énormément quoi, c'est incroyable. Il régène beaucoup beaucoup. Alors, Malphite et Rebelle. Alors, les Rebelles, c'est quoi déjà? Au début du combat, les Rebelles obtiennent un bouclier. Ok. C'est un peu comme les gardiens dans TFT1, les Rebelles. Oh, il y a TFT. TF, pardon, pas TFT. Allez, elle fait 0 dégâts par contre. Ses auto-attaques font 0 dégâts. C'est un truc de fou. En fait, il lui faut de l'AD, je pense. Genre, tueur de gens, ça doit être bien sur elle. Ça doit être super, franchement. En early. Attention, garde pas trop de gold, Patrick Balkany m'a volé tes économies. C'est moi ou. Attends. Ouais, c'est Irelia et Pierre de mana aussi. Donc Irelia combine avec Kassalin normalement. Et ça, c'est stylé ça. Ça, c'est stylé de ouf ça. Ok. Putain, j'ai zéro pognon par contre, mais. Je suis pas en train d'essayer d'économiser quoi. Dans ces games. Les gens sont envoyés vers le jeu normal en se co au PBE. Ouais. Faut que tu mettes le bon mot de passe Osiris. Moi je mettais mon mot de passe NA et ça me connectait sur NA.
Tu mets pas le bon mot de passe PBE. C'est pour ça. Je pense. Oh, statique, c'est bien, statique Zaya, je pense. Ok, Morello, on va peut-être attendre pour l'instant. Tu penses que Iridia va inonder le ladder? Oh, c'est sûr, hein, 100%. Inonder le ladder. Ok, Anaïs. Let's go. C'est très prometteur en tout cas cette histoire de TFT 3. Y'a pas un être céleste qui serait intéressant là? Oh, ils sont pas top ceux qui restent quoi. Non, c'est Honor 2 pour aller sur le PBE. C'est pas Honor 3, c'est Honor 2. Depuis au moins 2-3 mois. 3 mois, même 4 mois je pense. Depuis au moins 4 mois je pense. Là, normalement ça fait mal statique avec son Ginzo. J'ai l'impression qu'elle a masse attack speed mais que ça fait pas beaucoup l'attack speed, c'est bizarre. Si ça va en vrai ça fait, bon, ça fait beaucoup de dégâts là, en vrai franchement. En fait y'a que statique qui fait des dégâts quoi. Bon elle a fait, ouais, j'avoue qu'elle a quand même fait 3700 dégâts, c'est pas mal. C'est pas mal en soi. C'est vrai qu'il y a les Blitzcrank qui sont revenus, fait chier. Faut que je pense à ça. C'est trop dur, j'ai pas l'habitude. Attends. J'ai rentré rebelle, mais faut qu'il soit adjacent, putain, je suis con. Ah fuck. Faut qu'il soit adjacent pour rentrer rebelle, c'est vrai. Et tout ça, je suis resté à 2. Donc là, il gagne 125 PV et 10% d'attaque. 10% de dégâts, pas l'attaque. Je trouve que ma compo est pas terrible là pour le coup. Je suis pas sûr que 6 mètres lame ça soit bien en fait. A mon avis. C'est encore le client normal, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, vraisemblablement. Mais du coup demain je stream à 13h, on aura toute l'après-midi pour tester. Hein. Ça va être bien. Je pense qu'il faut faire 3 mètres lame à la fin. Genre 3 mètres lame et pire de mana, ça va être trop chelou comme compo. Trop bizarre comme compo. On va pas jouer Fiora du coup, c'est sûr. C'est un tank lui, non? Ouais. C'est vrai qu'il faut péquer les rebelles, on a dit. Les rebelles. En fait, faut que les rebelles soient paquets en fait. Mais c'est le principe, oui, les rebelles. Ouais, c'est logique. Les rebelles, faut qu'ils soient paquets, ouais, normal. Oui d'accord, c'est pour chaque rebelle adjacente, c'est ça? Ah, c'est fort hein. Attends. Attends, est-ce qu'ils prennent deux boucliers? Attends, je vais en bas. Attends. Je me fais défoncer. Je vais faire la compo sorcier, c'est plus simple. Et tu m'as noté, toi tu veux mettre l'âme. Il veut du pain lui ou quoi? Il veut du pain ou quoi lui? Sympa ces petits modèles 3D là. Non, j'espère qu'ils ont pas laissé ça. Non, mais si c'est la version téléphone, ça me va, tu vois. Mais je trouve qu'ils sont un peu trop petits les personnages, quoi. C'est pas très lisible, du coup. C'est Jinx, ça. Je sais pas quel item pour faire sur Irelia, quoi. Merde, sa voix de pique fait chier. Bon, je vais prendre une armure, c'est fort à armure. Alors, à partir de quand la billetterie pour la make-up est ouverte? La billetterie est déjà ouverte, Frisette. Hein. Et il y a legit la moitié des places de TFT qui sont déjà parties. Pour le coup. Ouais, c'est peut-être Seraphin sur Iridia, j'avoue. C'est vrai que c'est son dash, elle a pas beaucoup de mana au final. C'est vrai qu'on peut plus vendre, putain. C'est trop bizarre. Trop chelou. Ok. Bon, j'ai time outé le Cadian parce qu'il dit de la merde. Je rappelle hein, pour pouvoir aller sur le PBE,
Il suffit juste d'être être Honor 2. Sinon moi je suis sur le PBE et je suis pas. Et moi je suis sur le PBE et je suis Honor 2 de toute façon donc. Fin du débat. Alors. C'est vrai que le Locket est pas mal mais bon. Il disait quoi? Il disait qu'il fallait être Honor 3, il copie-collait un message qui est genre totalement outdaté quoi. C'était fake news quoi, comme on peut le dire clairement. Ouais, c'est vrai qu'il y a Jace qui est de retour en vrai. Jace. J'ai pas vu, j'ai vu personne avec le mecha pour l'instant, d'ailleurs. Par contre, Sona ça va pas l'air fou. Hein. Ah si, Sona c'est fort, mais en late quoi. Enfin, si, Sona c'est fort, mais pas dans cette configuration là. Non mais j'ai fait un mauvais start en vrai, ça va être dur là. Je pense. Enfin, je viens mettre I. Au level 7 faut qu'on arrive à régler le problème mais. Là j'ai fait un mauvais start pour le coup. Maître Yé faut qu'il dégage qu'on mette Bramble sur chaîne. Faut que les personnes se ressemblent et sont des nains. Ils se ressemblent pas tous par contre. La Caitlyn ça a l'air marrant comme mécanique. Gantelet précieux. C'est quoi ça? Ah oui c'est fort ça en vrai, c'est le nouvel item. Gantelet plus armure je crois. Oh y'a un Wukong, trop marrant. Et l'ultimate cause, il est trop stylé en vrai. L'ultimate cause est level 1 là. Donc bon. C'est moi le jeu moins lisible. Ouais mais je pense que c'est parce que c'est le PBE je pense. Ah je veux aussi time out Constantin Holmes. Qui vient de dire également que le... Je rappelle à chaque fois que vous dites que le PBE c'est Honor 3 je vous time out hein, je rappelle. C'est important de le savoir. Parce que c'est bien Honor 2. Encore une fois. C'est important de le savoir quand même, hein, je pense. Putain, mais les loups ont changé de configuration en vrai. C'est chelou maintenant les loups. Prends les célestes. Non, je vais pas jouer être céleste, je pense. Entre Wukong. Peut-être. Wukong bourré, ça doit être fort. Hein. Ouais, je joue plus à Hearthstone, ouais, c'est fini. Ouais. Alors, je ne joue plus à Hearthstone. Tout à fait. Et j'aime quand même, hein. C'est mec des ban life. Ouais, je suis d'accord, mais je time out parce que je suis patient. Je peux jouer Shogat. Je joue Wukong maintenant. Putain, elle a aucun sens ma compo quoi. Fuck. Allez, j'ai level 2. Je suis trop perdu là. C'est maintenant ou jamais. J'ai Wukong 2. Bon. J'ai Wukong 2, c'est tout ce qui compte. Alors Wukong 2, il met le Morello sur tout le monde, c'est ça? Je vais être OTP Void, c'est dit. Non mais là, je connais pas encore les compos, du coup, je suis ultra du père. Faut me laisser une journée. Enfin, au moins la matinée de demain pour lire les champions, quoi. Et Wukong, c'est déjà mon perso préféré, c'est officiel. Wukong, c'est officiellement mon préféré. Alors. Alors. Putain, c'est vrai que quel est les maîtres lames quoi? Les Valkyres maîtres lames, c'est ça? Qu'est-ce que je pourrais jouer avec Wukong en vrai? Faudrait jouer 6 chrononautes. Je pourrais jamais jouer 6 chrononautes dans la game là, si. En vrai, il aurait fallu jouer 6 chrononautes, je pense. Mais là, c'est trop. Ah, et Blitzcrank qui est chrononaute. Attends, je dirais ça. Est-ce que je laisse Xayah pour l'instant? Ok, donc là j'ai 4 chrononautes. Hein. Les chrononautes ils gagnent de la vitesse d'attaque toutes les 4 secondes. Oh, c'est fort si chrononautes. Hein. Les chrononautes. Chrono pizza. Et Wukong ulti. Yes. Non, Wukong c'est le kiff en vrai, c'est champion. En vrai c'est comme si j'avais un Olaf 2 à ce stade à peu près genre je dirais. Grosso modo. 4 chrononautes, t'as fait top 2, bien joué mec. Nous on est la team chrononautes nous les gars. Toutes les teams qui gagnent pas que les chronos. Ouais tous les alliés. C'est très fort pour Xayah du coup là.
Wukong est initiateur aussi. Hein. Ah, mais du coup, il faudrait initiateur pour Wukong en vrai. Putain, Ezreal, il est chrononautes aussi. Incroyable. Oh là là, incroyable. Ezreal, il fait quoi déjà? Ah oui, c'est vrai que Ezreal, il fait l'impulsion, l'IEM qui monte le mana. Ezreal, ça, en gros, ça. Un peu comme Singed, un peu comme Poison, quoi. Par contre. J'adore le skin de Ezreal, mais pourquoi il. Pourquoi c'est un nain? C'est ça ma question. Oh, Patrick Balkany qui joue Void. C'est quoi sa compo là? Il est pas Void en fait. Il a juste. Attends, je comprends rien. Allez, beaucoup mieux. Yes! Il est trop intelligent, Wukong en plus. Wukong c'est officiellement le meilleur. Bon, Caro est full Zeke. Comment ça ton Caro est full Zeke? Mais du coup, on a une map sans galaxie là d'ailleurs. C'est décevant ça. Wukong à la Rek'Sai avec double gant, c'est top. J'avoue que Wukong. Oh putain, il y a des spatules qui sont de retour au carousel, c'est vrai. Je connais pas le pattern, mais on peut en avoir au carousel maintenant. Oh là là, Patrick qui prend Aurélion. Ah, par contre, le skin d'Aurélion, on le reconnaît vraiment pas quoi. C'est un truc de fou. Faut pas, c'est le skin de LoL, tu vois. C'est fait exprès. Mais bon. Ah, c'est à moi de pique. Je prends de la MF. Je vais faire Warmog sur Wutong. Wutong. C'est quoi les sorts de galaxies? Au début d'une game, tu peux tomber sur une galaxie aléatoire qui change un peu les règles de la partie. Genre la game d'avant, j'ai eu deux coups de main de Nico en début de game. Ainsi que tous les autres joueurs. Ce qui était vachement intéressant. Elle est pas chrononautel, hein. C'est ça qu'elle est Valkyrie. Oh, ce Wukong magnifique. Alors. Non, je m'en fous de Yasuo. Je veux pas jouer Yasuo, moi, de toute façon, je crois. C'est vrai que je peux jouer Yasuo, j'avoue. Moi je voudrais rentrer un autre initiateur là perso. C'est que des persos early initiateurs aussi, c'est de la merde. Maintenant pour moi. Sympa mais super random et l'oncle loi au niveau, non. Bah non, n'importe quoi. Tout le monde a deux coups de main de Nico. Donc c'est pas random du tout. Au contraire, c'est stratégique. Oh, il a trois. Regardez, il a le mecha. Attends. Oh, what? Ça a l'air fumé le mecha en vrai. Et du coup quand le mecha sort, les trois champions sortent du mecha. Heureusement qu'il est level 1 putain. Heureusement qu'il est tout level 1 quoi. Putain. En vrai ça a l'air fort. En vrai c'est mieux de faire ça tant qu'à faire. Alors Kayle, c'est son passif je crois. Kayle évolue ce qui permet à ses attaques de projeter des vagues et inflige des... C'est ça. Ok. Très bien. Donc, par contre Wukong c'est incroyable quoi. Donc quand on va level up, on va essayer d'entrer 6 chrononautes, ok. Donc, on va acheter Kathleen. Ok. Oh putain. Il a chaîne 3. Attends, comment ça se passe contre le chaîne 3 là? Attends. 4 mètres lames, 2 pillards, un traiteur. Oh, c'est chaud là. Je vais me faire défoncer. C'est quoi les items? Le portail de ZZ Roth. Quand le porteur meurt. Attends, mais. Attendez quoi? C'est nouveau ça non? Quand le porteur meurt, un golem doté de 1216 pour continuer le combat. What? Attendez quoi? Attendez comment ça? C'est quoi ces conneries? Non, c'est poppy quand même, non c'est bon. C'est quoi cette connerie de cette droite là? C'est quoi? Ça remplace l'Hydra. Mais attends, mais quoi? Il y a plus ange gardien. Comment ça il y a plus ange gardien? Mais si, ange gardien. Menteur. Mort 2 et initiateur. Ouais mais ça fait chier. Je prends jamais un initiateur comme ça. Trop faible. Mais attends, mais s'il est level 3, il y a un golem de 3K qui arrive. Ok, c'est fort. Hein. Par contre, c'est super comme item, j'aime beaucoup. C'est vachement stylé, je trouve. C'est vachement stylé en vrai. Ça me plaît. Ah, ça y est, un nouvel item là. Je sais pas exactement ce qu'on va jouer là, mais bon.
Chaîne et chrono, je l'ai déjà. Pas exactement comment ça va se passer, mais c'est chaud là. Le Shogat, il est trop moche, le Shogat, putain. Mais ça, je suis sûr que ça va pas rester comme ça, c'est pas possible, je peux pas y croire quoi. Lulu, c'est OP. Oh, Lulu. Je pourrais rentrer être céleste. Attends, c'est pour ça que je fasse un loquette là, non? Faut spell crit. Attends. Je sens qu'il est chrononaute, c'est pour ça qu'il est là. Attends, je vais garder Lulu. Y'a pas un être céleste qui est aussi. Pourquoi j'ai encore Xayah là? J'ai cut maître lame, je pense en vrai. J'ai mis Cédric, c'est possible. Je suis ultra aveugle là pour le coup. Je suis ultra aveugle. J'ai trop pas l'habitude, du coup je vois rien quand je pique. Comme on n'a pas l'habitude des champions. Mais sur Velko ça doit être pas mal. Ouais, effectivement. Je peux dire rien en fait, mais ok. Elle fait des dégâts AP elle hein. Alors Irelia elle est cyborg quoi, mais je suis pas cyborg là, je suis le master quoi. Oh vas-y Link, elle fera des crits au moins. Franchement laquelle elle va être forte je pense. Ok. T'as fêté mon anniversaire dans deux semaines. Bah avec les corrections de bugs et les adaptations graphiques, oui. Tout à fait. Ok. Kayle, ça a l'air OP Kayle. Hein. Oh. Ça a l'air super OP Kayle. Oh. J'arrive pas à trouver la billetterie pour la make-up, elle est cachée sur le site de WizEvent. Tu fais point d'exclamation armaconv, frisette. Je te mets le lien sur le chat si tu veux, vas-y. Tu fais point d'exclamation, tu prends le lien que j'ai mis sur le chat là. Voilà. Tu cliques, tu scrolls, tu vas tout en bas, il y a la billetterie. C'est inratable. Est-ce que je peux rentrer 6 chrononautes en fait? Je suis pas sûr que être céleste soit super intéressant. Par contre, Caitlyn est mieux que Blitzcrank là. Enfin, je pense qu'on va jouer 4 chrononautes, on jouera pas 6, c'est sûr. Kayle, c'est ultra strong en vrai, c'est incroyable. Super fort cette merde. Bon, la compo va être spéciale, hein, mais let's go, on est chaud. On va Thresh pour 6 chrononautes. Non, on va jouer 4 chrononautes avec Thresh. Bon, j'aurai pas Ezreal, je pense. T'as Kayle, elle est CC. Qui l'a CC? Allez, Kayle. Kayle, c'est incroyable, Kayle. C'est fumé de ouf. Oh. Attends, mais what? En fait. Oh. C'est incroyable, Kayle. T'as un perso qui est infiltrateur plus Valkyrie. C'est qui ça? Ah, c'est pas Kaïsa? Non, attends. C'est ça, je crois. Non, je sais pas. Oh, c'est trop fort, Valkyrie. C'est incroyable. Rafa, que ça me faisait Lulu 2, je vais mourir. C'est Kaïsa, ok. D'accord. Merci le chat. C'est quoi l'item sur H? J'ai envie de le prendre parce que je sais pas ce que c'est. Je suis curieux. Ok. J'ai pris l'item de H. Non, mais Kayle, ça a l'air OP. Non, c'est le nouveau Draven, même Kayle, franchement. 100% Kayle va être nerf, j'annonce hein. Si Kayle est pas nerf avant la sortie de TFT 3, je paye 10 subs. Menu Valkyrie, bah je sais mais j'aimerais bien mais. C'est quoi l'item que j'ai pris du coup? Médaille des rebelles. Oh c'est de la merde putain. Oh bah oui c'est de la merde quoi. Super. Promotion des rebelles de la forêt. Ah, je suis un connard quoi. Je me suis fait bait par la nouveauté.
Est-ce que je pars Wukong 3 ou pas? C'est marrant, mais bon, c'est chaud. Ah, j'ai piffé, hein, c'était important. Alors. Voilà. Oh 6 rebelles, un vaisseau, 3 mètres lames. Oh allez, Wukong, ils sont tous paqués. Allez, Wukong, pitié. Allez, Wukong, ils sont. Putain, Wukong, qu'est-ce qu'ils branlent, putain? Pourquoi j'ai jamais Wukong? Merci, Wukong. En fait, ils étaient tous paqués, donc Kayle est. Putain, mais Kayle, les dégâts quoi! Sa compo était incroyable à lui. Si, mais... Il s'est cru dans Star Wars ce bâtard quoi. Oh merde quoi. Chronolos a l'air fort. Hein. En vrai, il faudrait virer Ezreal. Et mettre Thresh à la place. En gros, c'est mon plan de jeu quoi. Ouais, c'est ça le plan de jeu. Et Thresh qui re-rend tout con quoi. Ça, c'est bien ça. C'est vrai que c'est fort ça. Ah, ça me plaît bien ça, c'est un bon plan ça. Ok, c'est le plan de jeu. Ah oui, on va jouer Valkyrie aussi, mais c'est Xayah qu'il faut rentrer, mais j'ai pas eu. Xayah, Kaisa du coup. C'est vrai que Valkyrie ça va être drôlement opérant, ouais. Ah là, mais y'a MF qui est Valkyrie. Sinon, on rentre MF à la place. MF c'est mieux en vrai. Vous savez, légendaire. Faudrait que je fasse 9 en fait. Et la chaîne de lui. Pff, putain, la. La Kaisa a défoncé. La Kaisa a défoncé ma team. C'est le fantôme de. Je sais pas qui. Fantôme de regret test PBE. Super fort lui. Son chaîne 3 qui est trop fort. Non, mais il perd presque là. Hein. Hyper presque. Il va perdre même je pense. Ah non. Non non, pas exactement. Ok, il s'est fumé de ouf. Avant de dormir, je vais réviser mes compos. Hein. Comme ça demain on fera des vidéos sur les compos et tout demain. On fera des game viewers demain en tout cas. De 13h à 18h je pense. Faudrait que je repasse Chal quand même avant la fin de TFT3. Quand même, TFT2. Tu te rends compte si je vais pouvoir faire la compo 6 mois. Ah je suis triste de ouf. Hein. Je sais pas si je m'en remettrai à mon avis. C'est pas écrit que ça combote avec Valkyrie. Ouais, c'est ça. C'est très fort en plus. Avec IE, je pense. C'est une grosse combo, je pense. Trop marrant ce nouveau dragon, quoi. Trop marrant. Ok. Pourquoi le Drake qui devient un guerrier Maasai? C'est la galaxie, c'est pour ça. Après le bug sur Lux. Vas-y, je vais pas faire Wukong 3, je l'aurai jamais. Et je vais essayer de level up, ok? Je vais pas jouer Ezreal non plus. Ou alors je roll maintenant pour qu'on puisse trouver. Ah, je me tâte. Est-ce que je roll maintenant pour qu'on puisse avoir une chance de trouver notre. Comment dire? Parce que si je passe 9, j'ai plus de chance de trouver Thresh et Lulu 2, quoi, je veux dire. En fait, faudrait mettre Thresh à la place de Ezreal. Et rentrer MF. Bon, Valkyrie, je pense. Je peux virer les Blades. Bah, non, parce qu'elle est Blade Master Kay. Donc, c'est trop fort en fait. Valkyrie Kay. C'est incroyable. Franchement, le petit Caitlyn, il a l'air vachement fort. Hein. Ouais, putain, mais c'est trop fort Caitlyn en vrai, je comprends pas pourquoi elle est si forte. Alors que c'est un perso 1 gold, je fiche pas. Enfin, son ultime elle a l'air quand même fort quoi, même si c'est un gros temps de chargement. Nice, j'ai gagné. Ok, top 3. Nice. Alors, Irelia. Irelia se rue à travers cible infligeant 200% de dégâts d'attaque. Si la cible meurt, sur le coup, Irelia relance son sort immédiatement sur l'ennemi qui a le plus de mana. Ok. Je suis tellement plus hypé que par le 7-2 par contre, c'est incroyable quoi. C'est tellement mieux. Faut juste qu'il règle les problèmes graphiques quoi. Les trucs pas ouf. Mais par contre c'est tellement incroyable je trouve. Mais je comprends pas Caitlyn en fait. Comment ça peut faire autant de dégâts alors que ça perso 1 gold même si elle a. Parce qu'elle met méga longtemps à charger son mana en fait, regardez. 0 sur 125. Mais je pense que c'est un peu trop fort je pense. A l'aide. Il a déjà putain.
défoncer, je pense. Non, c'est chaud. Non, y'a Kay qui le défonce. Oh putain, le GA. Oh, c'est fort en vrai, cette merde. Hein. Non, mais c'est super fort en vrai, mais Kay c'est abusé, putain. Non, Kay c'est trop. Oh, oh. Yes. Ok, c'est abusé en vrai. Le 7-1 est quand même le plus stylé. Non, mais jamais, c'est beaucoup mieux que le 7-1, moi je trouve ça. Nice. Par contre MF son skin est incroyable je trouve. Même si on se parle des shops dégueulasses. Non, mais, à mon avis Nilad, je pense que si tout le monde trouve ça dégueulasse ils vont changer je pense. Dès que je perds là, je pense que je perds le premier fight. Je pense que je perds legit direct là. Ok. MF c'est quoi son sort? C'est l'ulti je crois. Je crois pas qu'il... Ah si, le Kong il se fait pire son mana je crois en fait. Non c'est ça. Pff, oui, il y a un bon ulti là. Allez Kayle. Allez ma Kayle. Allez. Ah c'est chaud. Allez Wukong, yes, yes, yes. Nice. Ça c'est pire de mana en fait. C'est vraiment le cours mana, c'est comme Sinjet quoi. Ok, qu'est-ce que je veux moi? C'est MF ça hein. Putain mais y'a que une légendaire regardez. Y'a que un champion légendaire. Oh, c'est trop chelou putain. Ok je prends ça legit. Nice. Non, mais moi je suis quasiment sûr que c'est normal et que c'est le PVE. Moi je pense que c'est juste parce que c'est le serveur test à mon avis. Et en vrai si c'est normal que le serveur test soit moche quoi tu vois. On s'en fout en vrai. Oh, ils ont up Deathblade. Allez, Deathblade commence avec 3 stacks maintenant j'ai l'impression. Nice, j'ai Thresh. Bon, je perds Atomizer mais je m'en fous, Thresh c'est marrant. Mais il y a GP, putain c'est vrai. Alors attends. Ah mais non mais Thresh il fait quoi déjà? Il pique un perso au hasard sur mon banc, c'est ça? C'est ça hein. Quand il est full mana, il pique un perso sur mon banc Thresh. Regardez. Oh, il a ramené Lulu dans le fight. C'est incroyable. Je peux pas jouer GP hein. Je peux pas le rentrer là. Là je reste comme ça là. J'ai Valkyrie sur Kayle maintenant. Et sur MF. Faut que je trouve MF2 putain. Ok j'ai Lulu 2. C'est quoi dégâts bruts? Oh, c'est vrai que je peux améliorer. Attends mais j'ai MF2. Améliore définitivement le barrage de plomb de Miss Fortune pour qu'il inflige des dégâts bruts. Oh, ça coûte 5. Ça coûte 8 gold. Parce que les mercenaires on peut les upgrade avec des gold en fait. Je lock, je lock. C'est incroyable. Ah, c'est c'est trop fort en vrai. Ah mais j'ai pas de perso pour Thresh. Dommage, j'en ai acheté un. Ok. Alors on va voir MF si c'est fort. MF ça a l'air fort en vrai, hein. Ça a l'air mieux dans TFT hein. Déjà ses stats ont l'air mieux. Ah ouais. Elle me met plus en confiance MF là. Merde j'ai gagné je crois. Ah non c'est bon. Ah non j'ai gagné, fait chier. Dommage. Dommage j'ai gagné. Je peux pas upgrade le spell de MF. Je peux pas.